Offrant d'acclamation. Clap. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Offrant d'action de grâce. Avec des cris de victoire, Jésus-Christ. With shouts of victory. Avec des cris de intercesseur, Jésus. With a shout of intercessor, Jesus. Nous allons parler d'une vertu. We are going to talk about a virtue. Très essentielle. Very important. À tous ceux qui prient ou qui apprennent à prier. To those who pray or are learning to pray. La persévérance. Perseverance. Et la ténacité face aux épreuves. Is the ability to strong, to hold strong facing the trials. Face au découragement. Facing the discouragement. Face aux diverses oppositions. In front of oppositions. Dans Matthieu 10, verset 22. In Matthew 10, verse 22. Il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sauvera son âme. It is written that the one who will stand firm till the end will save his soul. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La persévérance et la ténacité face aux épreuves, perseverance, face au découragement, face aux diverses oppositions. Perseverance is the ability to hold strong in front of adversity, in front of oppositions, in front of trials. Un homme ou une femme persévérant ne recule pas. A persevering man or woman never go back. Il ne se décourage pas. They never get disappointed. Ferme devant le temps. Strong before the time. La persévérance, je l'ai dit même, est une vertu. I should have said that, and I even said it, perseverance is a virtue. Donc, so, on peut l'acquérir. It can be acquired. Au moyen du travail. By means of work. Au moyen d'exercice. By means of exercises. Au moyen d'apprentissage. By means of learning, training. Tu échoues, tu reprends. You fail and you try again. Ce sont des vertus qu'on acquiert à force de reprendre et de persévérer. It's virtue that people acquire through perseverance and trying. Mais une bonne partie repose de ce que Dieu a donné à chacun. But the main part of it laid on the on what God has given to each of us. Lisons quelque chose concernant Jean-Baptiste. Let us read something regarding John the Baptist. Dans Luc chapitre 1, verset 80. In Luke chapter 1, verse 1. Luc chapitre 1, le verset 80. Verse 18. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Dieu lui-même, God himself, place ses enfants dans des conditions
qui vont les mouler, qui vont les formater. He put his children in the condition that will mold them. Il y a des gens dans cette salle que Dieu a préparé à l'intercession depuis le ventre de leur mère. There are people in this hall God has prepared for intercession since the womb of the mother. Et il les a placés dans des endroits critiques. And he has put them in critical places. Pourquoi? Why? Pour les préparer. To get them ready. Jean-Baptiste. John the Baptist. Il vivait où? Where did he live? Dans le désert. In the wilderness. Il se fortifiait chaque jour. He was getting strong every day. En esprit. In his mind. Il se fortifiait. He was getting strong. En esprit. In his spirit. Et il grandissait physiquement. And he was growing physically. Il a acquis une forte personnalité. He has acquired a strong personality. Il y a des gens parmi vous que Dieu a placés dans des déserts, dans des familles où vous n'avez rien à manger. There are people in your midst. God has put in the wilderness, in places where there was no food. Mais les gens ne mouraient pas de faim, mais les gens ne mangeaient pas. People did not die of starvation, but they didn't have food. Et ça a rendu leur esprit fort. And it has made their spirit strong. Quand les autres sont fatigués après une heure et ils sont fatigués après 10 heures. When others are tired after 1 hour, they get tired after 10 hours. C'est une vertu, la persévérance. Ce n'est pas un don spirituel. It's a virtue. Perseverance is a virtue. It's not a spiritual gift. Si on te prend là, on place au désert. If they take you and put you in the wilderness, les premiers jours seront difficiles. The first days will be hard. Ça sera comme si tu vas mourir. It will be like you are going to die. Après, and later, tu deviens un homme ou une femme du désert. You become a man or a woman of the universe. Sachant quand on se couche et quand on se lève. Knowing when you sleep and when you wake up. L'enfant croissait. The child was growing. Se fortifiant en esprit. Being strong in spirit. Il demeurait dans le désert. And he remained in the wilderness. Le faisant nous a dit un jour. Brother Zach told us one day. Que son père lui disait, prends la natte, couche-toi sur la natte. And his father used to tell him, sleep on the mat. Tu ne sais pas là où la vie va t'amener. You don't know where life will send you. Ça m'avait beaucoup touché. This touched me a lot. Donc quand nous disons frère Zach. So when we are saying brother Zach. Il y a un homme qui a planifié ça dans la vie de son fils. There is a man who planned this in the life of his child. Faisons la même chose. Let us do the same. Prendre l'assemblée comme une famille. Take the assembly like a family. Quand un nouveau converti arrive. When a new converted arrives. Donne-lui les choses solides. Give him the strong things. Il va baver, pleurer. Après, il va les larmes et devient un lion. And later on, he will become a lion. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les petits croyants fleque-fleque là, attention. Be careful, small believers. Quand nous sommes arrivés nouvellement en Côte d'Ivoire. When we arrived newly in Ivory Coast.
Les gens aimaient ça. Il a crié sur moi. Il a crié sur moi. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire même, crier sur quelqu'un? People like to say, he has shouted on me. What does les it mean? Les petites paroles qu'on donne là, attention, on dit qu'il a crié sur moi. When you tell someone, be careful, you say, the man shouted on me. Nous là, on frappe réprimande. Nous, on nous réprimandait. We are used to be rebuked. Pour le mariage, là, on nous a dit, oubliez-le. On ne t'exhorte même pas que tu faut éviter le péché. On te dit, oubliez les mariages. Vous êtes des jeunes gens. Allez, oubliez ça. Regarding marriage, we were told, forget about marriage. Donc, but don't tell you even to pray or to expect. Il y a des jeunes gens maintenant, ils sont allés. Ils causent avec les sœurs comme des futurs Français dans l'immédiat. There are young boys who are preparing their baccalaureate, but they have already started chatting with the sisters, like they are getting married in very soon. Le lait. Milk. Un jour, je me suis assis, j'ai dit, bon, je suis en seconde. One day, I sat down and said, I am in form 4. Après, je dois aller en première. I should go in from lower seat. Après, je vais en terminale. And I will go to upper side. Après, je fais l'école de formation, une année, deux années, trois. J'ai dit, ils ont raison. Hein. And I will go to training 1-3 days. And I say, this man are right. Et j'ai dit, ils ont raison. And I told myself, this man are right. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si on ne nous avait pas dit oublier, we were not told forget about it. On allait se fiancer en seconde, on se fatigue. We would get engaged in form 4. Et on retrograde. And we backslide. On place dans le désert. They put you in the wilderness. Le travail de Jean-Baptiste était grand. The work of John the Baptist was great. Il lui fallait un esprit fort. He needed a strong spirit. Un homme de renoncement et d'abnégation. A man of renouncing. And it was the wilderness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On traite les jeunes convertis avec rigueur. You treat the young converted with serious. Quand les autres, les premiers disciples se convertissaient, on brûlait les habits de prostitution. When the first disciple got converted, they burn the clothes of prostitution. Ici en Côte d'Ivoire. Here in Ivory Coast. Je me souviens, il y avait une sœur à Tumudi, tout fut brûlé. I remember a sister dans la salle. In Tumudi, everything was burned. Is she here? C'est elle était là, elle allait savoir qu'il s'agit de elle. Le sac, les pains, tout. The bag, the clothes, everything was burned. Quand on a brûlé tout et que les sœurs te donnaient le foulard pour cacher la nudité, on ne rentre plus péché. When they burned everything and that sisters give you the handkerchief to cover your nakedness, you never go back to sin. On place les enfants dans des conditions de travail, les veiller, ils ne doivent pas manquer. You put the children in the conditions of hard work and night watch. Ça doit être de telle sorte que quand il n'y a pas du travail, on a des problèmes. It should be in a way that when there is no work, you have problems. C'est-à-dire la vie normale devient une vie de pression, de pression, de pression. It means that your normal life becomes a life of pressure, pressure.
Dans Isaïe 42. In Isaiah 42. Lis le verset 1 à 4. Verse 1 to 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre. Il ne brisera le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Vous voyez le Seigneur Jésus. You see the Lord Jesus. Il persévère dans l'accomplissement de la tâche. He perseveres in the completion of his task. Il n'était pas encore entré dans le monde. He was not yet in the world. Mais les prophètes annonçaient déjà. But prophet already announced. Qu'il allait être un homme de travail dur. That he would be a man of work hard. De paix. Of peace. De douceur. And sweetness. Qu'il n'allait pas se décourager. He would not get disappointed. On a vu que le la persévérance, quand tu es tenace, ferme devant le découragement. We saw that perseverance is a stronghold before discouragement. En vérité, il y a des situations qui sont déjà le découragement. In fact, there are situations which are already discouragement. C'est-à-dire que la situation même est une situation de découragement. It means that the situation itself is a situation of discouragement. Ou quand tu es découragé, on dit c'est normal. Il ne pouvait faire autrement. When you are discouraged, people say that this is normal because the situation fit it. Mais la Bible dit. But the Bible says. Concernant Jésus. Regarding Jesus. Tu menaces même de rétrograder. You are even warning to backslide. Il ne te laisse pas. He will not let you. Il ne brisera point le réseau cassé. He will not break. Si c'est nous, on dit, nous sommes découragés. If it was us, on ne comprend pas. Je suis découragé. We are discouraged. Jésus dit. Jesus says. Je ne veux pas me décourager. I won't get discouraged. Je vais te restaurer. I will restore you. Et ça lui prend du temps. Ça lui prend du temps. It takes his time. Il envoie les frères, il envoie les he visions. He sends brothers. Il envoie les circonstances. He sends visions, circumstances. Tu fais comme si tu ne vois rien. You do like you see nothing. Mais Jésus est ferme. But Jesus is there. Il dit, tu es dans ma main. He says, you are in my hands. Tu es dans la main de mon père. You are in the hands of your father. Personne ne peut t'arracher. No one can snatch you. Vous savez, le combat pour te sauver n'est pas contre le diable. You know the battle to save you is not against the devil. Ce n'est pas pour battre le diable que Jésus est mort à la croix. It is not to fight against the devil that Jesus died Jésus at the mort cross. À la croix Jesus died at the cross. Pour donner à son père le sang qui lave les péchés. To give to his blood which wash the sins. Parce que son père voulait laver les péchés de l'humanité. Because his father wanted to wash the sins of mankind. Il y avait donc les animaux. They had therefore animals. Donc on pouvait prélever le sang. Whom blood should be taken. Et c'était un sang impur. But it was a corrupted blood. Le sang, le vrai sang the que blood, Dieu pouvait accepter. The true one God could accept. C'était le sang de son fils. Was the blood of his son. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. This is on the cross. Mais le temps que Jésus passe. Le temps que Jésus passe pour te sauver, but the time Jesus spends to save you, c'est à cause de ton cœur divisé. It's because of your divided heart. Il t'appelle. He's calling you. Tu entends, tu ne réponds pas. You hear, you don't reply. Et ça prend du temps. And it takes time. Ce n'est pas parce que le diable est quelque chose. It's not because the devil is something. C'est toi. It's you. Quelque chose.
with something. Parce que Dieu veut te sauver. Because God wants to save you. Sans bannir la divinité qu'il a mis en toi. Without banishing the mise en toi. Without banishing the divinity that He has put in you. Dieu veut que tu l'adores volontairement. God wants you to worship Him willingly. On ne te force pas. You are not forced. Vous voyez les enfants d'Israël. You see the children of Israel. Dieu a déjà battu tous les Égyptiens et tous les pharaons. God has already struck all the Egyptians and pharaohs. Son vrai problème c'est avec son peuple dans le désert. His true problem is with his people in the wilderness. Parfois il menace qu'ils veulent rentrer. Sometimes he threatens that he will kill them. Il murmure. They murmured. Il se révolte. They revolt. Et Moïse prie. And Moses prayed. Quand vous étudiez dans le livre. As you are learning in the books. Le diable est déjà battu. Le diable étant déjà battu. The devil is already overcome. Le vrai travail reste avec nous, nous nos the cœurs. The true work remains with us, our own hearts. Certains veulent rentrer dans là où ils étaient avant. Some wants to go back to where they were. On m'a dit que je veux me marier, ça ne vient pas. Je veux rentrer chercher ma copine. I have been said that I will get married. It's not coming. I want to go back and look for my girlfriends. Certains gars, ils prennent le téléphone, ils appellent. Some text the phone and call. Ils rétablissent la relation. And they settle again the relationship. Ils rétablissent la relation. They reestablish the relationship. Le problème. The problem. C'est dans le cœur de l'homme. Is in man's heart. Jésus dit, Jesus says, je ne me découragerai pas. I will not get discouraged. Je veux faire triompher la justice. Je veux faire triompher le droit. I must make the justice triumph and the right as well. Les nations vont croire à la loi de Dieu. The nation will believe into God's law. Read le verset. Read again 4. The first. Verse 4. Il ne se découragera point. He will not get disappointed. Il ne se relâchera point. He will not give up. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Until he succeeded in establishing righteousness on earth. Et que les îles espèrent en sa loi. And Iceland's expert in his law. Vous voyez dans quelle brousse nous sommes en train de lire la Bible. You know how we are reading the Bible. Quand la prophétie sortait, il n'y avait aucun village ici. When the prophecy was getting out, there was no village here. Donc les peuples vont croire à la loi de Dieu. So people will believe into God's law. Et voilà la victoire de Jésus. Nous sommes à Tekoa, les Bibles ouvertes. This is the story of Jesus. We are in Atekwa. Si c'était découragé. If he was disappointed. Rien que un petit dossier comme le dossier de Judas seul devait amener Jésus à se décourager. Only a small file like the ones of Judas alone could have disappointed him. Que quelqu'un que tu veux sauver, il est mauvais, tu le choisis. Tu lui donnes des enseignements, tu pries pour lui, mais il te vend à 30 francs, à 30 pièces. How can you imagine that someone you want to save, you give him the training, you choose him, and he sell you? Jésus allait dire, je suis découragé. Jesus could have said, I am disappointed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La parole de Dieu nous demande de rejeter nos fardeaux et tout péché. The word of God asks us to reject all our burdens and anything. Pour que nous soyons légers. For us to be light. Pourquoi? Why? C'est une course. It's a race. Toute la vie chrétienne est une course. All the Christian life is a race. L'intercession. C'est une course. Intercession is a race. C'est un exercice. It's an exercise. De résistance. Of resistance.
Frère, beaucoup de personnes commencent par la prière. Brothers, many people start by the prayer. Même les païens prient. Even pagans pray. Mais pour persévérer. But to persevere. Il faut être un autre homme. You must be another man. On ne persévère pas dans la prière avec la mentalité des enfants. You don't persevere in the prayer with the mind of children. C'est avec la mentalité des hommes mûrs. It's with a mindset of mature men. Persevering. Dans la prière. In prayer. Demande la maturité. Require maturity. Ça demande la liberté. It requires liberty, freedom. Si tu es enchaîné par les fardeaux. If you are enchained by burdens. Enchaîné par tes soucis. Enchained by worries. Les soucis vont hanter ton esprit. Worries will haunt your spirit. Aucune intercession ne sortira d'un esprit hanté par les soucis. No intercession can get out from a spirit haunted by worries. Tu ne peux pas. You cannot. Les soucis. Worries. Les fardeaux. Burdens. Frightens. Vont remplir ta pensée. Will fill your mind. Vont chasser la pensée de Christ. They will chase out Christ's thought. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Qui donne les prières. Who gives prayers. J'ai demandé à Gracia, qu'est-ce qui t'a marqué? Elle dit que c'est la capacité d'intercéder de Moïse. I asked Gracia, what marked you? She said. Dans l'étude du livre d'aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a touché? I asked her, for with what was she moved with the reading of the books today? She said. La construction de la prière. The construction of the prayer. On sentait qu'il était l'homme de la présence de Dieu. We knew that he was a man of God's presence. Etc. Mais and so on. Vous savez. But you know. Quelqu'un a dit. Someone said. Dieu donne les mots pour prier. God gives the words to pray. Comme il donne les mots pour prêcher. As he gives the word to preach. C'est une vérité. It's a truth. Mais il faut qu'il y ait le calme en toi. But it takes that they have calm in you. C'est une course. C'est la persévérance. It's perseverance. Tu peux commencer, tu te souffles après une minute. You can start and get tired after 1 minute. 1 minute. Only 1 minute. Tu abandonnes. And you give up. Certains commencent avec vitesse. Une semaine. Some start with a speed. 1 week. Et rendent témoignage. They give testimonies. Après, ça s'éteint. And later, down. Vers les années 80 à Bertois. In the 80s, in Bertois, il y avait la fête nationale. We have a national feast. Et il y avait le the sport. National day, and there are sports. Certains faisaient le vélo, some la was course, doing bicycle, le marathon. Race, marathon. Quelqu'un a cru que ceux qui courent là étaient en train de s'amuser. Someone believed that people who were running was joking. Donc il s'est inscrit.
So he registered. Sans préparation. Without getting prepared. Il a démarré. He started. À un certain moment, sa langue est sortie. La langue est sortie. His tongue was outside. Il fallait les médecins pour ramener, pour pousser la langue dans sa bouche. They needed doctors to push, to push the tongue in his mouth. Les gens qui courent, people who run, se préparent. They get ready. Alléluia. Amen. Tu commences. You start. On te regarde. They look at you. Après, tu t'arrêtes. And you stop. C'est pour cette raison que la persévérance, this is why perseverance, est une vertu fondamentale. Is a core virtue. Fondamentale. A core virtue. C'est ça qui permet de commencer. It's what allows you to start et de continuer and to go on malgré tout. Despite everything. Pour certains, ça a duré. For some, it has lasted. Ça a vraiment duré. It has really lasted. Et puis après 5 ans, ça s'est arrêté. And after 5 years, it stops. 10 ans, ça s'est arrêté. 10 years, it stops. Tu peux être restauré. You can be restored. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Pour revenir, to come back, tu te débarrasses, you get rid of, des choses qui t'ont alourdi, of things that loaded you, tu te débarrasses, you get rid of, des choses qui accrochent ton attention, of things that attract your attention, et tu connais déjà le chemin, and you already know the way. La parole de Dieu nous demande de rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Right, Vizan. The word of God requires us to reject any kind of burden and sin which surrounded us so easily. Et à courir avec persévérance. And to run with perseverance. Vers la carrière qui nous est offerte. To the position which is offered to us. Les regards sur Jésus. Having our eyes focused on Jesus. Le chef et le consommateur de la foi. The chief and the gainer of our faith. Qui en vue de la joie qui lui était réservée. Whom in view of the joy we were reserved to him. A souffert la croix. Suffered the cross. Et méprisé l'ignominie. And despised ignominy. Vous notez, Jésus a eu à supporter une très grande opposition. Jesus gone through many great oppositions. Les gens se sont opposés à lui. People opposed him. Physiquement. Physically. Mais chaque jour. And every day. Il était dans les rues. He was in the streets. Parfois dans le temple, on voulait le saisir, mais les gens avaient peur de la foule. Sometimes in the temple, people wanted to catch him. But they were afraid of a crowd. Les gens qui sont partis pour adorer Dieu voulaient tuer le Fils de Dieu. People who went to worship God wanted to kill the Son of God in the temple. Mais Jésus a tenu ferme. But Jesus held strong. Après cela, after that, Dieu l'a élevé. God raised him, lifted him up. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu dois travailler ton esprit. You must work your mind. Pour être persévérant. To become perseverance. Pour être persévérant. To be perseverant. Et dans notre cas. And in our case. Persévérant dans la prière. Perseverant in prayer. Lisons Hébreux chapitre 12.
Let's read Hebrews chapter 12. Verset 1 à 4, vas-y. Verse 1 to 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons à la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Alléluia. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Let's read first Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Le croyant en Christ doit endurer les souffrances, must endure suffering, les persécutions. Persecutions. Il doit vaincre les difficultés. He must overcome hardships. C'est comme une course, on commence en grand nombre. It's like a race. At the start, we are numerous. À la fin, and at the end, c'est une personne qui a le prix. It's only one person who gains the prize. Donc on organise la course. So we organize the race. De telle sorte qu'on soit toujours parmi les vainqueurs. So that we should be always among the winners. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il dit que pour cela, he says for that, lui-même s'impose des abstinences, des règles. Himself impose himself some laws. Il s'impose des disciplines. He imposes himself disciplines pour remporter le prix. To win the prize. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il s'impose. He gives himself une discipline personnelle. A personal discipline. Pour remporter le prix. To win. Dans notre contexte ici. Dans notre contexte. And in our context. Des règles. Some laws. Pour persévérer dans la prière. Some rules to persevere in prayer. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas remporter le prix si on n'a pas été persévérant. So we cannot win the prize if we have not been perseverant. Vous notez ceci. Write this down. L'apôtre Paul exhorte son fils spirituel Timothée. Apostle Paul is urging his spiritual son Timothy. L'apôtre Paul exhorte son fils spirituel Timothée. Apostle Paul is urging his spiritual son Timothy. À la foi et à la constance.
to have dans les faith, travaux du ministère. To have faith and to work constantly in the works of a ministry. Paul, qui connaît bien ces choses, Paul who knows those things very well. Il exhorte son fils. He is advising his son. À être constant dans le travail spirituel. To be persevering and constant in the spiritual works. Parce qu'on peut commencer. Because you can start. Arrêter. Ça reste dans l'histoire. And it's just stay in the stories. Lis pour nous 2 Timothée 1 verset 3 à 15. Read for us 2 Timothy 1, verse 1 to 15. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Amen. 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 Notez ceci. Write this down. Il y a donc des noms comme celui de Judas. Il y a des noms comme celui de Judas. There are therefore names like the ones of Judas. Demas. Demas. Hyménée. Hyménée. Philète. Philète. Alexandre, etc. Alexander and so on. Dont les échecs nous rappelleront toujours. Nous interpellerons toujours. Will always call upon us. Qu'il ne faut pas négliger les risques de devenir un rétrograde. That we should not neglect the risk to become a backslider. Les risques de négliger le salut éternel. The risk to neglect the eternal salvation. Le risque d'être disqualifié ou de se disqualifier. The risk to be disqualified or to disqualify yourself par manque de persévérance. By lack of perseverance. Vous avez vu les noms que Paul cite. You saw the names
Paul is quoting. Ce sont des gens qui étaient dans la course. There are people who was in the race. Qui avaient été une fois dans la course. They had been once in the race. Et qui ont rétrogradé. And they have backslided. C'est-à-dire, it means ils ont manqué de persévérance. They lack perseverance. Ces noms nous sont donnés. Those names are given to us pour nous aider à méditer, à réfléchir. To help us to meditate and to think sur ce qui peut nous arriver. About what can happen to us si nous ne veillons pas sur la vertu fondamentale de la persévérance. If we don't take care of a core value, which is perseverance. Leurs noms sont connus parce qu'ils étaient quelque chose. Their names ils avaient are known été quelque chose. Because they had been something. À cette époque-là, ils étaient cités autrement. At that time, they were quoted in another way. Mais dans le contexte actuel, but in the current context, ils sont cités comme des modèles de rétrogradation. They are quoted as models of backsliders. Tu peux rétrograder. Who can backslide? Ou alors tu as déjà rétrogradé. Oh, you have already backslidden. Tu peux rétrograder. You can backslide. Ou alors tu as déjà rétrogradé. Oh, you have already backslidden. Lis 1 Corinthiens 10, verset 12. Read 1 Corinthians 10, chapter 10, verse 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi donc, so, que celui qui croit être debout, the one who believe to be up, prenne garde de tomber. Watch and be careful to not fall down. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? C'est un combat, c'est une course, c'est une compétition. It's a battle, it's a race, it's a competition. Tu vas en guerre. You go at war. Tu dois tenir ferme. You must hold strong. Tu dois savoir. You must know que plusieurs that many s'y sont engagés. Committed, engaged themselves. Mais ils sont tombés. But they fall. Ils ont abandonné les chambres de prière. They have abandoned the rooms for prayers. On a ouvert avec pompe. They open with noise. Et on t'y a établi. And we have been settled. Avec une position de main. With the laying on hands. Tu es sorti. You have got out. Au début, c'était chaud. In the beginning, it was very hot. Tes amis et tes voisins savaient que quelque chose a été fait ici. Your neighbors knew that something had been done here. Et tu n'as pas veillé. But you did not watch out. Tu es tombé. You have fallen. Lis pour nous 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 13. Read for us 2 Timothée 2, verse 1 to 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoutez ça très bien. Listen this carefully. Écoutez. Listen. Relis. Toi donc, mon enfant. Toi donc, mon enfant. You then, my son. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Il y a la force en Jésus. There is the strength in Jesus. Il y a la force dans l'œuvre de Jésus. There is the strength in Jesus' work. Vous savez, you know, quelqu'un a dit, someone said, rien ne sert d'aller, it's nothing to go, comme de savoir par où et comment aller. Oui. Comme de savoir par où et comment aller. It is nothing to know, tu peux savoir, tu peux avoir envie d'aller, you can have envy to go, et manquer de sagesse et de science pour aller. Quand on demande aux frères d'obéir à Dieu, when we ask brothers to obey God, l'erreur que
les uns et les autres commettent, the mistake that each one commits, ils essayent de le faire sans Jésus. They try to do it without Jesus. Certains pensent que Jésus était utile pour donner la vie et avoir la vie éternelle. Some think that Jesus was useful to give life and to get eternal life. Et que pour la marche maintenant, chacun doit se débrouiller. And that for and now for the walk, everyone should try his best. Lis le verset 1. Toi donc, mon enfant. You then, my son. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ne va pas prendre acheter les tenues de sport, les cordes. Do not go and buy sports, clothes, pour t'exercer à la persévérance. To exercise yourself to perseverance. La force, the strength, c'est en Jésus Christ. Is in Jesus Christ. La force est dans la grâce qui est en Jésus Christ. Is in the grace which is in Jesus Christ. En d'autres termes, ça veut dire la force est dans l'œuvre accomplie de Jésus. In other words, the strength is in the work done by Jesus. La force n'est pas en toi. The strength is not in you. La force est en Jésus. The strength is in Jesus. Tu décides seulement. You just decide. Seigneur, je reviens. That Jesus, Lord, I come back. Il n'y a pas de sacrifice à offrir, pas d'offrande à donner. There is no sacrifice to do, there is no offering to do. Mais si tu as l'argent, donne-nous, on va acheter la machine. Merci. If you have money, give it to us, we'll buy the machine. Elle est gratuite. Ta restauration est gratuite. Your restoration is free of charge. Tu t'appuies seulement sur l'œuvre accomplie par Jésus. You just lay on the works done by Jesus and his soul. Tu dis, je suis fort. Tu confesses que tu es fort. And you confess you are strong. Et tu dis, je me lève. And you say, I stand up. Et c'est fini. And it's finished. Il y a rien d'autre à faire. There's nothing else to do. Lis le verset, relis le verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoutez. Listen. Toi donc, mon enfant. You then, my son. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Be strong in the grace which is in Jesus. Dis, je peux. Say, I can. Car je crois. Because I believe. À l'œuvre complète et totale de Jésus-Christ. Into the total and complete work of Jesus Christ. Je peux. I can. Je peux. I can. C'est fini. On n'achète pas ça. But don't buy it. Si tu as dit ça sincèrement, tu es déjà délivré. If you have sincerely said this, you have already won. Et quand tu rentres, and when you go home, tu enlèves la poussière qui est sur la table. You remove the dust which is on the table. Tu dis, bonjour, Jésus. You said, good morning, Jesus. Je suis revenu. I am back. Tu commences à prier. And you start praying. Le reste par là. Ça ne change rien. Dis, je peux. Say, I can. Par Jésus Christ. By Jesus Christ. Et ton histoire change. And your story change. Ceux qui marchent de cette manière-là sont toujours joyeux et glorieux. Those who walk this way are always joyful and glorious. Ceux qui essaient de payer les impôts souffrent. Those who want to pay the tax, ils souffrent. Suffer. Les apôtres n'ont jamais voulu faire croire aux frères qu'ils sont quelque chose, qu'ils peuvent quelque chose. Apostles never had the envy to make brothers believe that there are more than they were. Quand Dieu t'appelle à obéir, when God is calling you for obedience, obéis, ne pense pas à ce que tu es, ne te regarde just pas. Just obey, don't think about
what you are. Don't look at yourself and say, can I? Dieu lui t'appelle. God, he is calling ton you. Ton seul travail, c'est de dire, envoie-moi. Your only work is to tell him, send me. Il a demandé. He asked. Qui enverrai-je? Who will I send pour nous? And who will work for us? Isaïe a dit, envoie-moi. The Lord said, send me. C'est fini. It was over. Du coup, il lui a donné le message. And then he gave him the message. Pas de formation. No training. Il était prêt. He was ready. Il n'a pas dit, prends, va me chercher. Il était là. Je vais envoyer qui dit, envoie-moi. He was there. He said, who am I going to send? He said, he replied, send me. Si tu as rétrogradé, if you have backslidden, dans une activité, in an activity, tu vas, tu t'assois, tu commences. Le diable te trompe, va te préparer, tu vois, tu causes avec le dirigeant. Tu viendras lui rendre témoignage que je suis rentré, j'ai commencé et voici comment ça marche. You go and start. You don't go and chat with the leader and so on. You just come back and give the testimony that I have restarted. Ephésiens chapitre 6 verset 10. Read in Ephesians chapter 6 verse 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Do you understand what it means? Fortifie-toi le Seigneur. Tu vas voir le Seigneur là où pour entrer en lui. Be strong in the Lord. Where will you find the Lord and enter in him? Ça veut dire, it just means, accepte tout en comptant sur la force qu'il t'a donnée. Accept everything by counting on the strength he has given you. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui peut servir Dieu avec l'énergie de ses muscles. There is no human being on this earth who can serve God with the energy of his hands. Sont disposés mentalement. Even people who are mentally available, ils ne peuvent pas. They cannot. Pierre était un homme fort. Peter was a strong man. Sa tête était forte. Sa tête. Peter was a strong man. His head was hard. Il a évalué la situation. He evaluated the situation. Il dit, moi, je meurs avec toi. He said, I will die with you. Et il ne s'amusait pas. He was not joking. Il se connaissait. He knew himself. Mais quand ça a chauffé, il est tombé. But when things became hard, he fell. On ne sert pas Dieu avec l'énergie physique. We don't serve God with our physical energy. Quand le Saint-Esprit est entré en lui, when the Holy Spirit got in him, il a secoué la terre. He shook the earth. Il a prêché le premier sermon. He preached his first preaching. Les gens tremblaient. People were trembling. Ils se sont baptisés. They were baptized. Ils ont demeuré. They remained. Dit, je proclame. Say, I proclaim. Que ma force. That my strength. Est en Jésus Christ. Is in Jesus Christ. Moi-même, je ne peux rien. Myself, I can nothing. Et au nom de Jésus. In the name of Jesus. La poussière ne sera plus sur la dust will no longer be on the table de la chambre de prière. Or the prayer room. Et puis, quand tu es connecté de cette manière, tu auras des visions même sur comment développer la chose. When you are connected in this way, you will have vision on how to develop the thing. Tu auras une intelligence divine qui va t'habiter. You will have a divine intelligence in you. Un jour, le frère Apoutri me cherchait. One day, brother Apoutri was seeking me. Il voulait une formation. Il voulait appeler des gens pour aller les exhorter, les encourager. Je lui ai dit, quand Dieu donne un travail à quelqu'un comme toi. He said, I want a training. I want to call people and train them. And I told him,
When God entrusted someone a work like you, c'est toi qui dois nous enseigner ces choses. You are the one to teach us parce those que Dieu things. Te parle. Because God speaks to you. Et il a compris. And he understood. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand nous sommes venus en mission, when we came on mission, au début, at the start, je m'étais dit que dès qu'on arrive, I told myself that as soon as we arrive, allez, on ouvre l'assemblée, on commence avec la fraction du pain. We open the house church and we start. Dieu m'a dit, God told me, non, no. Tu feras toutes choses solennellement. You will do everything solemnly. Ça, vous me suivez? Do you get me? En cette toilette, ça va, tu entends? Dieu m'a dit, God told me, tu feras toutes choses solennellement. You will do everything solemnly. J'ai reporté l'ouverture de l'assemblée. And I canceled, I postponed the opening of the assembly. Et en novembre, and in November, ça devait être le 12, le 12 novembre, it might be the 12th of December 95, of November 1995. Nous avons ouvert avec 7 personnes qui avaient rompu le pain. We opened with 7 people who broke the bread. Il y avait eu combien de baptêmes? How many baptisms? Je pense qu'il y avait 4 baptêmes. We had 4 baptisms. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Après, Dieu m'a dit. And later, God told me. Ne commence pas l'œuvre par la délivrance. Je vous montre comment Dieu conduit les gens. God told me, do not start the work by deliverance. I'm just showing you how God leads people. Je l'ai expérimenté. I experienced it. Il dit, ne commence pas l'œuvre par la délivrance. He told me, do not start the work by deliverance. En réalité, mon ministère de délivrance n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, c'est depuis Bertois. In fact, my ministry for deliverance did not start in Ivory Coast. It was since Bertois. Comment ça cela s'est-il passé à Bertois? How does it all happen in Bertois? J'ai vu deux miracles très importants. I experienced two very important miracles. Le premier miracle. The first one. Le frère Zach avait arrêté la pluie. Brother Zach stopped the rain. J'ai vu. I saw it. Ça a marqué mon esprit. It moved my mind. C'était la première fois pour moi de voir le frère Zach. It was the first time for me to see Brother Zach. Il est arrivé, il portait un carton. Le frère Emmanuel Baya portait d'autres bagages. He arrived with a box and Brother Emmanuel with another box. Et les routes n'étaient pas bonnes, donc ils empruntaient le car, ils sont arrivés. Je ne sais pas, j'étais jeune converti, je ne sais pas comment on a fait pour que lui-même porte le carton, ou bien les frères ne savaient pas l'heure d'arrivée, je ne sais pas. And the road was not good, but I don't know how they came and he arrived bearing the box, carrying the box, I don't know. Et il y avait une campagne. And there was a campaign. Le premier jour. The first day, il a prêché. He preached. Le deuxième jour, the second day, c'était en plein air. It was in air. Le ciel est devenu sombre, noir. The sky became dark le and black. Soufflait. The wind was blowing. Et je voyais la à l'est, les vents sont violents. In the east, winds are very violent because there is no many trees. Et ça devenait de plus en plus critique. And it was becoming more and more hard. J'avais un professeur de français. I had a teacher of French. Un homme moqueur et incrédule. A mocker and an unbelieving man. Je ne sais pas pourquoi il était là tous les jours et il était parmi les premiers. Il s'asseyait au premier banc. I didn't know why he was always there and he was at the first stage. Quand
il tombait déjà quelques gouttes, il m'a appelé, le professeur, il m'a appelé. When the first drops came, he called me. Et si ça durait 2 minutes, les gens allaient commencer à se disperser. And if it lasted 2 minutes, people would have started scattering. Donc il m'a appelé. So he called me. Je suis allé. I went. Il me dit, vous ne pouvez pas demander à votre Dieu d'arrêter la pluie. You cannot ask your God to stop the rain. Un jeune comme si je suis seulement rentré. I just went back. Après, later, j'ai vu le frère Zach lever la main. I saw Brother Zach lift up his hand. Il n'a pas parlé. He did not speak. Tout le monde a vu la main parce que everybody saw the hand. Et le vent et les gouttes de pluie et qui lève la main, tout le monde savait qu'il prie. Everybody knew that he was praying. Jésus-Christ. Jesus Christ. Après, later, il a baissé sa main. He put his hand down. Il a continué la prédication. He keep on preaching. Les étoiles ont réapparu. The lightning. The lightning came back. Le vent s'est arrêté. The wind stopped. Le ciel est devenu clair. The sky become light. Mais on a lancé l'appel, le prof là n'a pas cru. Mais but when we launched the call, the teacher did not believe. Mais l'homme le plus concerné ce jour-là, but the most concerned man this day was me. C'était moi. It was me. Parce que la question du professeur était dans mon esprit. Because the questions of the teacher was in my mind. Et je voyais le miracle. And I could see the miracle. Un miracle authentique. A genuine miracle. Le deuxième miracle. The second miracle. Il y avait une sœur appelée la sœur Gassa. There was a sister called Sister Dassa. Frère. Brother. Quand cette femme-là prie. When this sister prayed. Face contre terre. Her face on the ground. Elle ne s'occupe même pas des frères. She don't take care about brothers. Elle était de la haute classe. She was of a high level. Elle était infirmière d'état. Son mari était chirurgien, un médecin. She was a civil nurse, and her husband was an engineer. Un jour, one day, une voix démoniaque me parle. Ça devait être Satan lui-même. A devilish voice spoke to me. It could be Satan himself. Parce que quand j'avais cru, j'aimais les frères, j'étais heureux, j'aimais l'évangile, j'aimais la vérité. Because when I believed, I loved the brothers, I love the gospel and truth. Et cette voix me dit. And this voice told me. Si Dieu, si Jésus était vivant, pourquoi il n'a pas guéri la sainte Gassa? If Jesus was. Si Jésus est vivant, si if Jesus vivant, is alive, pourquoi, why? Pourquoi il ne guérit pas la sainte Gassa? Why is it he is not healing this sister? La sainte Gassa était toujours malade. Sister Dassa was always sick. Son mari est médecin. Her husband is a medical doctor. She's a nurse. Visite chaque semaine, on doit aller rendre visite à ma sœur, à la sainte. Every week we should visit her. Quand cette voix m'a parlé, when this voice spoke to me, et j'ai reconsidéré l'état de la sœur, and I considered again the state of the sister, ça m'a affligé même. It afflicted me. Je n'ai rien dit. I said nothing. Je n'ai pas partagé. I did not share. Ça m'a refroidi. And it made me cold. Un jour, one day, le dirigeant organise une séance de délivrance. The leader organized a deliverance period. Il a demandé que chacun confesse ses péchés. He asked everyone to confess his sins. On se sépare des objets magiques, les écorces, les bouteilles, tout ce qu'on avait. That everyone get rid of all the magic things. Chacun s'était préparé. Everyone did it. Le jour J est arrivé. The right day arrived. J'étais assis. I was sitting. Concentré. Concentrated. Je m'attendais à ce qu'un démon me bouscule et puis s'en aille. I just wanted a demon to provoke me. Je m'attendais à ce qu'un démon sorte de moi. I was awaiting a demon to get out of me. I waited long. Rien. Nothing. Et ce que j'aimerais vous dire, ma délivrance a eu lieu le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. What I want to tell you is that c'est ça que je comprends plus tard. I received my deliverance the day I gave my life to Jesus. Quand j'avais asséné un coup de marteau à un esprit qui me barrait la route. J'avais donné un coup de marteau dans une vision. When I struck
with a hammer, a demon who was blocking my way. Je me suis réveillé délivré. I wake up delivered. Dans ce jour-là, so this day, j'ai attendu quelque I chose. I waited something. Rien. Nothing. Après, j'entends, une femme est tombée, je regarde, c'est la Sainte Gassa. After I hear noises, a lady fall down, I watch, and sors, it was Sister Dassa. Jésus, je ne sors pas, sors. Go out in the name of Jesus, I don't go out. J'étais calme. I was calm. Tout ça entrait dans mon esprit. All that was getting in my mind. Après, il dit, on dit, qui es-tu? Later we say, who are you? Je suis venu la rendre malade. Je suis l'esprit de maladie. He said, I am the spirit of sickness. J'ai tendu mon oreille. On dit, sors, je ne sors pas. We say, go out, he said, no. Le combat était rude. The battle was hard. Le démon dit qu'il est venu rendre la sœur malade. The demon said that he has come to make the sister fall sick. Allez, à un moment donné, pam, il est parti. And at a certain moment, he left. Frère, brothers, la sainte Gassa est devenue une femme très belle. Sister Dassa became a very beautiful lady. Avant, elle était chétive, comme si. In the past, she was slim. Maladive, chétive. Sickness, always sick. J'ai gardé ces deux photos, j'évangélisais avec. I kept two photographs and I taught the gospel with it. Après, je dis, cette femme avait les démons, regardez, voici après sa délivrance. When I go somewhere, I say, this sister was sick. Look after her deliverance, what she has become. Et ça, c'est l'impartition. This is the impartition. À partir de là, la foi que les démons sont vaincus était là. From this, the faith that demons are overcome was there. Alléluia. Amen. Et le troisième miracle, là, je l'ai touché même. And the third miracle, I even touched it. Ils seraient partis dans une secte. On leur a donné des esprits là-bas. A sister went to a sect and she was given some spirits. Croyant les baptiser dans le Saint-Esprit. Believing to have been baptized in the Holy Spirit. Quand le démon s'est manifesté. When the demon showed itself. Pendant qu'on le chassait. While we cast him out. Je me suis approché. I got close. J'ai dit au nom de Jésus. I said in the name of Jesus. Dit, ah, ne dis plus ce nom. Ah. He said, no, don't tell this name again. J'étais heureux. I was happy. J'ai dit, ah bon, ma bouche. I said, so my mouth. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Je me suis dit, I thought myself. Ce n'est pas une affaire de grâce, donc c'est tout le monde. So it's not a matter of big person or. Parce que je savais que personne ne m'avait donné un secret, on ne m'avait amené nulle part. C'est le nom de Jésus qui a terrassé le démon. Because I knew that no one gave me a secret, I have been sent nowhere. It's only the name of Jesus who was overcoming the demon. Nous avons grandi dans ce contexte. Chaque dimanche, le frère prêche, il chasse des démons. Chaque dimanche. So we grew in this contest. Every Sunday, Brother Zach preached and he cast out demons. À Douala, notre faisait des disciples délivrance le matin. Délivrance. Our disciple maker in Douala. In the morning, deliverance every time. C'était le frère Jean de Dieu. It was brother Jean de Dieu. C'est de là que nous sommes venus en mission. It's from there that we came on mission. Je disais ça pour que vous compreniez pourquoi Dieu me dit ne commence pas l'œuvre par la délivrance. I was telling this to for you to understand why God is telling me I should not start the work by deliverance. Et nous avons systématiquement obéi. And we systematically obeyed. Quand Dieu nous a libérés, when God appointed us, he gave us the order. Il m'a dit, he told me, le problème de Côte d'Ivoire, the problem of Côte d'Ivoire, c'est la sorcellerie, is witchcraft. Tu feras le brisement des liens d'une façon systématique. You will automatically do the breaking of evil ties. Et il m'a expliqué le brisement des liens d'une autre manière plus élevée. And he explained to me the breaking of evil ties in a higher way. Et on a lancé le mois de février 97, c'était le mois de brisement des liens. And le 1er février au 28 février. And we launched in the month of February 97
the month of delivery. Et les vraies délivrances ont commencé. And the true delivery started. Au temps de Dieu lui-même. At the time of God himself. Dieu peut te conduire. God can lead you. Dieu peut te conduire. God can lead you. Un jour, one day, je recevais qu'il faut qu'on prenne la fiche des idoles que le frère Zach avait publiée. I received that we should work on the list of idols that Brother Zach published. Et qu'on jeûne. And we fast. Pour renverser les idoles. To overthrow the idols. Frère, Proverbs, quand on a commencé, when we started, c'était des délivrances qu'on n'avait jamais vues. There was deliverance we never experienced. C'est ça qui a accouché les croisades de renversement des principautés. This is what gave birth to the crusade of the overthrow of principalities. Dieu conduit. God leads. Dieu peut te conduire. God can lead you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu va te conduire. God will lead you. Si Dieu ne te conduit pas, if God does not lead you, ça sera monotone. It will be monotone. Fatigant. You will be tired. Ennuyeux. You will be bored. Ça ne va pas durer. It won't last. Continue la lecture. De Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. What is that? Il faut cultiver la vertu de la persévérance. You must cultivate the virtue of perseverance. Pour pouvoir faire des progrès. To be able to make progress. Dans la prière. In prayer. Dans le ministère d'intercession. In the ministry of intercession. Il faut cultiver la vertu. You must cultivate the virtue. La vertu de la persévérance. The virtue of perseverance. Pour pouvoir faire des progrès dans la prière. To be able to make progress in prayer. Des progrès dans l'intercession. And progress in the intercession. Vous notez ceci. What this? Ephésiens chapitre 6 verset 18. Ephesians chapter 6 verse 18. La Bible dit. The Bible says. Faites en tout temps. Make every time. Par l'esprit. By the Spirit, toutes sortes de prières et de supplications. All kind of prayers and pleading. Veillez à cela avec une entière persévérance. Do it with an entire perseverance. Faites en tout temps. Do every time. Toutes sortes de prières. Any kind of prayers. Et veillez à cela. And do it avec une entière persévérance. With perseverance. Vous notez ceci. What is that? Dans Luc
In Luke, chapitre 18, chapter 18, verset 1 à 8, verse 1 to 8, Jésus nous invite à l'école de la persévérance. Jesus is inviting us to the school of perseverance. La persévérance dans la prière, bien sûr. Perseverance in prayer. À travers la parabole du juge inique. Through the parable of the evil judge. C'est que Dieu accorde toujours la victoire à ceux qui persévèrent. It is that God always gives the victory to people who persevere. Lis-nous la parabole du juge unique. Read for us the parable of the evil judge. Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. 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 Quand le Fils de l'homme viendra, when the Son of Man will come, trouvera-t-il la foi sur la terre? Will he find faith on earth? À travers la parabole du juge inique, through the parable of a widow, Jésus enseigne, Jesus is teaching, qu'il faut importuner Dieu, that we must importune God, et il faut avoir la foi, and we must have faith. Deux choses. Two things. Pour que tu puisses persévérer for you dans to, la prière. For you to persevere in your prayer. Tu dois déranger Dieu. You tu must dois le bother, gêner. You are importunate. Et tu dois avoir la foi. Un incrédule ne peut pas importuner Dieu. And you must have faith. An unbelieving cannot importune God. Nous avons vu dans Hébreux 12 que Jésus a persévéré parce qu'il avait la foi à la place qui lui était réservée. Il savait qu'après ses souffrances, il va monter au ciel, s'asseoir à la droite de la majesté divine. In Hebrews 12, we saw that Jesus persevered because he had faith to the place that was booked for him. He knew that after all that, he would go and sit at the place that was booked for him. Des gens désespérés, desperate people cannot persevere. Des gens sans espoir, people without hope, ne peuvent pas persévérer. Cannot persevere. Leur voie royale, c'est le suicide. Their royal way is a suicide. Je préfère mourir. I better die. C'est le langage des gens découragés. It's the language of discouraged people. Ils voulaient persévérer, ça n'a pas marché. They wanted to persevere, it does not work. Ils n'ont pas eu la foi pour s'appuyer dans la grâce qui est en Jésus-Christ. They did not have faith to lay on the grace which is in Jesus Christ. Et ils voulaient persévérer. But they wanted to persevere. Quand ils lisent la Bible, dit qu'Abraham a persévéré. Moi aussi, je vais faire comme Abraham. The Bible says that Abraham persevered. I want to do like him. Abraham était un homme de foi.
Abraham is a man of faith. Sa persévérance ne sort pas du placali. His perseverance is not coming from cassava. C'était un homme de foi. He was a man of faith. C'est par là qu'il a commencé. It's by that he started. Il a persévéré, persévéré, persévéré. He persevered, persevered. Moïse était un homme de foi. Moses was a man of faith. La Bible dit qu'il est sorti de l'Égypte sans craindre Pharaon. The Bible says that he got out of Egypt without fearing Pharaoh. Et il voyait celui qui était invisible. Il voyait Jésus. See. Les gens ne voyaient pas Jésus. He could see the one who was invisible. He could see Jesus. People could not. Quand tu sais que Jésus est là. When you know that Jesus is there. La pensée qui décourage les gens ne viendra pas dans ton esprit. The thought which discourages people will not come and surround your mind. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les Daniel ont persévéré, ils ont prié. C'était les hommes de foi. Daniel a persévéré, il Daniel's, était un homme de foi. Daniel persévéré, he was a man of faith. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul il said, est un homme de foi. I can do everything by the one who fortified me. He was a man of faith. Ne commence pas pour arrêter. Do not start and stop. Et si tu as arrêté? Have you stopped? Reviens. Start back. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? When the Son of Man will come, will he find faith on on earth? On ne peut pas aller loin. You cannot go far. Sans la foi. Without faith. Tu ne peux pas. You cannot. Et la foi. And faith. Te dit. Tells you. Que Jésus a tout fait. Jesus has done everything. Donc tu dois seulement t'asseoir sur une table. You must just sit on a table. Tu ouvres ta bouche. You open your mouth. Dieu te donne les prières. He gives you prayers. Dieu donne les prières. God gives you the prayers. Dieu donne les mots pour prier, comme il donne les mots pour prêcher. God gives you a word to pray as he gives the word to preach. Dieu oriente. God oriented. Dieu parle. God speaks. Même dans cette salle. Even in this hall. Il peut te parler. He can speak to you. Le juge unique a dit. The evil judge said. Cette femme vient me rompre la tête. This man is coming and bothering me. Même comme je ne crains pas Dieu, je vais lui donner ce qu'elle veut. Even when I don't believe in God, I will give her what she wants. Veillez à cela avec une entière persévérance. Do it with perseverance. La persévérance dans la prière est une doctrine. Brother, perseverance in prayer is a doctrine. Il y a des lois qui there la are laws. Qui la soutiennent. There are laws which support it. Il y a un discours qui l'accompagne. There is a speech which sees it off. Il y a des modèles, il y a des exemples. There are models and examples. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelques personnes viennent prier avant qu'on ne continue. Let some people come and pray before we go on. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, de persévérer dans la prière. Tu nous donnes l'exemple, Seigneur, du juge unique, afin que nous comprenions, Seigneur, que nous devons avoir la foi dans la prière. Ô Père, Seigneur, visite-nous. Là où nous avons relâché, permets-nous de revenir, Seigneur, et de persévérer parce que tu as déjà tout fait. Et nous devons seulement nous asseoir à la table et prier.
Jésus-Christ, accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que, Seigneur, tu nous donnes sur la persévérance. Nous prions, ô Père, que, Seigneur, à partir, Seigneur, de ces vérités, que tous ceux qui sont découragés, ô Dieu, reprennent, Seigneur, force. Reprenne, Seigneur, courage. Nous prions, notre Dieu, que ces paroles descendent, Seigneur, dans nos cœurs. Que ces paroles, Seigneur, nous renouvellent. Que ces paroles, Seigneur, ô Dieu, nous donnent de continuer sans relâcher. Que ces paroles nous donnent, Seigneur, de poursuivre ce que nous avons commencé. Dieu, visite-nous, Seigneur, en ce jour. Visite-nous, ô Père. Visite chacun de tes enfants. Pour que, Seigneur, nous ressortions, Seigneur, de cette UMPJ. Étant renouvelés, étant encouragés, étant forts pour aller continuer, Seigneur, la bataille. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Toi qui veux que nous devenions des experts en intercession, dans la prière, nous te bénissons pour la vertu de la persévérance, oh, pour laquelle, Seigneur, tu nous incites, Seigneur. Nous te bénissons parce que sans la persévérance, nous ne pouvons pas, Seigneur, combattre jusqu'au bout et atteindre, Seigneur, le but. Seigneur, merci. Tu nous avais déjà dit que tout ce que nous avons vécu, c'était pour nous apprendre à intercéder. Mais pour intercéder et tenir ferme dans les combats, dans les difficultés, dans tout ce que nous avons comme adversité, nous devons être persévérants. Et c'est une vertu qu'on travaille, qu'on cherche à posséder et qu'on manifeste pour arriver jusqu'au bout. Seigneur, nous avons entendu et nous sommes courageux. Nous allons saisir cette vérité et travailler sur notre pensée intérieure, sur notre homme intérieur pour être courageux devant les batailles, devant les difficultés, devant, ô Seigneur, tout ce qui s'oppose à ce que nous avançons, afin que nous soyons persévérants jusqu'au bout et posséder la couronne. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je vais te dire infiniment merci. Je vais te rendre toute la gloire. Tu n'as pas voulu que je retourne, ô Seigneur, à la maison étant la même personne. Après cette 25e édition de l'UMPJ, je te suis infiniment reconnaissante. Et tu viens de me faire comprendre encore que la route de l'intercession n'est pas facile. Il y a des embûches, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et ce soir, tu viens me donner les règles, tu viens me donner des secrets pour continuer la course et arriver dans la victoire. Merci de m'instruire sur la persévérance. Merci de m'encourager à persévérer, notre Dieu. Parce que tu es là. Tu as déjà tout accompli. Je n'ai qu'à m'asseoir à ma table, à la table, ouvrir la bouche. Et même si j'ai failli quelque part, je reviens à toi. Tu me restaures et je continue la bataille. Et tu m'instruis encore sur la foi. Ô Père, je t'en supplie. Donne-moi de persévérer dans la foi. De m'établir dans une foi ferme, inébranlable. Oh, de jour comme de nuit, affermis ma foi, enracine-moi de m'enraciner dans une foi inébranlable, une foi ferme, pour que je sois agréable à tes yeux. Continue dans les batailles et braver la victoire, parce que tu braves la victoire même avant que moi je ne voie cette victoire. Je te suis infiniment reconnaissant. Tu me parles encore de l'importunité. Je dois continuer à importuner, importuner, importuner,
parce que tu es prêt pour m'exaucer. Fais-le pour moi-même. Fais-le pour mes frères. Fais-le pour mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci. Merci pour l'enseignement, Seigneur, sur la persévérance. Seigneur, merci pour cette flamme, Seigneur, que tu ramènes, ô Dieu, dans ma vie. Père, je supplie ta grâce. Je me saisis, Seigneur, de cette vertu. Et je me débarrasse, ô Dieu, de tout découragement, Seigneur. De toute lourdeur, Seigneur. De toute distraction, Seigneur. Père, je m'engage à être un intercesseur persévérant jusqu'à obtenir, Seigneur, les résultats de la prière. Père, je reviens, Seigneur. Et je prie, ô Dieu, que chacun de nous ici revienne, Seigneur, à la hauteur de la prière persévérante, Seigneur. Je prie que chacun se saisisse de cette vertu pour revenir, Seigneur, à la vie de prière que tu veux de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord, I bless you. I thank you. Thank you for the grace to understand that perseverance is a virtue. That there is nobody on earth that was born with perseverance. But it is a virtue that I have to cultivate every day. Father, thank you. Because you reminded me that I cannot serve you with my own strength. Father, I pray that you forgive me. All these times of failure was because I have wanted to do your work without you. I've wanted to do your work relying on my own ability. But God, this evening, your word has just delivered me. Thank you, Almighty Redeemer, for the grace to understand that I have to strengthen myself in you because you've done it all already. Father, thank you because the joy of the Lord is my strength. Thank you because I will not rely on my own ability and capacity, but I will rely on you. Father, I pray that you will bless me with the grace to run the race that is set before me with perseverance, looking up to Jesus, the author and the perfecter of my faith. Lord, I pray for increase of faith. I pray for increase of faith. I pray for increase of faith. Do it for each one of us. In Jesus' name, amen. Père éternel, tu veux des intercesseurs qui sont dans ta volonté parfaite. Et tu mets tout à notre disposition pour que nous puissions réussir et être agréables à toi. Seigneur, nous te disons merci encore pour cette vertu essentielle, fondamentale, pour un intercesseur que tu nous donnes ce soir, ô Éternel, pour nous ramener à toi. Accorde-nous, ô Éternel, de posséder cela. Permets, Seigneur, qu'il y ait un impact durable de cette vérité sur nous. Et que nous partions étant changés, mettant cela en pratique pour être agréable à toi, ô Éternel. Donne-nous cette capacité. Seigneur, tu fais tout pour que la gloire te revienne. Accorde-nous cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, qui par la foi me donne la victoire. Par notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Et fais de moi un plus que vigueur, que vainqueur. J'ai vu sans crainte aujourd'hui et toujours pour réaliser les rêves de Dieu et apporter gloire à son nom. Alléluia. Amen. Seigneur,
Je te dis merci pour cet enseignement que je viens d'entendre. Seigneur, ce n'est pas ma première fois d'entendre ce mot, mais je prie en ce soir que tu me donnes de comprendre cet enseignement d'une manière révélationnelle. Oh Seigneur, aie pitié et compassion de moi. Rends-moi capable, oh Seigneur, de persévérer sans relâche. Je prie, oh Seigneur, que tu viennes à mon secours. Viens à mon secours, oh Seigneur. Oh, loin de moi tout découragement. Et loin de moi tout découragement. Et à moi de persévérance, Seigneur. La persévérance est une vertu. Mais je prie, oh Seigneur, que tu viennes à mon secours. Et que tu me rends capable de persévérer jusqu'à obtenir des résultats, Seigneur. Je prie que tu le fasses pour moi et pour chacun de nous ici présents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue. Merci infiniment de ce que tu déchires le voile dans mon cœur. Je comprends que la persévérance est une vertu. Je m'établis dans cette vertu. J'ai pris pour me séparer de la distraction. Je me sépare du découragement. Seigneur éternel, pendant que je vais m'établir dans l'école de la persévérance, je prie que tu m'orientes. Je prie que tu me conduises, tu me guides. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Donne-moi d'aller jusqu'au bout. Donne-moi de persévérer afin d'être exaucé. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père éternel, je te dis merci, Seigneur, pour ce message. Oh Seigneur, merci de nous faire comprendre aujourd'hui, Seigneur, qu'il faut persévérer jusqu'à obtenir des résultats. Oh Seigneur, je prie que tu me pardonnes toutefois où j'ai baissé, Seigneur. Oh Seigneur, je prends l'engagement, oh Seigneur, de travailler durement, oh Seigneur, de sorte à persévérer, Seigneur. Et merci de faire comprendre, Seigneur, que tout est déjà là. Il suffit d'entrer dans le travail en comptant sur toi, oh éternel Seigneur. Il suffit, Seigneur, de compter sur toi pour faire toutes choses, oh éternel. Et je prie que tu accordes à chaque frère, oh éternel, de travailler, Seigneur, durement, de sorte à persévérer pendant les difficultés, oh éternel, à persévérer dans l'adversité et de gagner, de remporter le combat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous notez que la veuve a remporté la victoire en demeurant ferme dans la demande de la grâce royale. Rather, the widow won the victory by remaining firm. Tu notes qu'il y a plusieurs influences. Il y a plusieurs influences. There are many influences. Contre la vie de prière. Against the life of prayer. Il y a des esprits du doute. There are the spirit of doubt. Il y a des persécutions. There are persecutions. Il y a des bruits. There are noise. Les bruits du monde. The noise of the world. Vous notez, right. C'est la même doctrine, it's the same doctrine que le Seigneur énonce dans Luc 11, versets 5 à 12. Lis-nous ce passage. The Lord is announced in Luke 11, verse 5 to 12. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas, pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père
qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Vous notez ceci. Write this down. À travers cette parabole, Jésus nous révèle une autre dimension de la persévérance. Through this parable, Jesus is revealing to us another dimension of perseverance. Par cette parabole, Jésus nous montre, nous donne une autre dimension de la persévérance. Through this parable, Jesus is showing us another dimension of perseverance. Il faut importuner. You must bother. Il faut demander. You must ask. Il faut chercher. You must seek. Il faut frapper. You must knock. Jésus-Christ nous amène déjà très loin. Jesus is already sending us very far. Il dit il faut importuner. He said you must bother. Tu frappes à la porte. You knock at the door. Celui qui veut te dire qu'il est déjà au lit, tu ne cesses de frapper. Tu frappes seulement. The one want to tell you that he's already sleeping. You don't take care of that. Tu you don't care seulement. About that. You just knock. Tu ne comptes pas le nombre de fois. You don't count the times. Ton objectif n'est pas de compter que j'ai frappé 100 fois. Ton objectif c'est qu'il se lève du lit. Your objective is not to count the time. You knock. Your objective is for you, for him to get up. Que tu as obtenu ce que tu cherchais. And that you obtain what you were seeking. Frère, quand on vise un objet. Brother, when you are targeting something. Ça te donne plus de force. It gives you more strength. Pour frapper que quand tu comptes 1, 2, 3, to knock than when you count 1, 2, 3. Pour aller montrer à ton faiseur de disciples. To go and show to your disciple maker. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de prières sans réponse. This is why there are a lot of prayers without answers. Hey, lève-toi, hey, lève-toi, hey, lève-toi, j'ai besoin de pain. Hey, lève-toi, j'ai besoin de pain. Get up, I need you, I need you, I need you. Pardon, donnez-lui le pain. Please give it the bread, give it. Et puis tu rentres tout souriant. And you go back. Que mon ami, viens manger, viens manger. You say, my friend, come and eat. Tu vas rester là, ta, 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 et puis ton ami dort affamé. Tu dis, j'ai prié 10 fois. You will say here 1, 2, and your friend will sleep empty, with his belly empty. 10 heures de prière et la famine ronge ton ami. 10 hours of prayers and starvation is killing tu your friend. Tu peux l'obtenir même en 3 minutes. Don't. Allez, tu rentres. Here you go. And you go home singing. Frère, brothers, le formalisme est un péché. Formalism is a sin. On nous a enseigné sur les objectifs. We have been taught on objectives. Ne fais rien sans objectif. Do nothing without objectives. Tu entres dans la chambre. You go in the room. Et tu fermes la porte. And you knock the door. Pourquoi? You lock the door. Why? Pour libérer les captifs. To release the captives. Ou pour prier 10 heures. Or to pray for 10 hours. Tu fais 10 heures, aucun captif n'est libéré. Quelqu'un fait 2 minutes, 10 captifs sont libérés. Qui you a gagné? Spend 10 hours, no captive is released. Someone go for 2 minutes and 10 captives are released. Who has won? Jésus dit. Jesus says. Demandez. Ask. Frappez. Knock. Cherchez. Seek. Vous allez trouver. You'll find. On va vous ouvrir. You will be opened. Et on va vous donner. And you'll be given. Le frère Zach disait, Brother Zach used to say, les gens ont fait du but, ils ont fait du prix à payer le but de la vie. People have done the price to be paid, the goal of a life. Il disait que le prix à payer est devenu une montagne, le but même est petit. He was saying that. Et juste à côté. He was saying that the price to be paid has become very huge.
But the goal to reach has become small. Et à l'époque, nos effectifs étaient tout petits. At that time, our numbers, we were not numerous. Environ 200 000. Around 200,000. Dans le monde entier. In the entire world. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pour ceux qui ont le discernement, la croissance est l'une des batailles du frère Théodore. Où sont les âmes? The growth is one of the battle range of Brother Theodore. He said, where are the souls? The wind souls. Et Dieu est en train de nous relever. And God is lifting us up. Nous sommes allés en Allemagne. We went to Germany. Les frères me demandaient. Brothers was asking me. On comptait les âmes comment? How do we count the souls? Je leur ai dit que c'est un sujet, il ne faut pas perdre le temps dessus. I told them it's a topic you should not waste your time on. Ne perdons pas le temps sur comment on sait que celui-ci est de la CMCI, celui-ci n'est pas de la CMCI. Do not waste, let us not wait our time on is this one of CM5 or not. Je leur ai dit chez nous. I told them that les dimanches. In Ivory Coast, on Sundays, nous savons combien de croyants ont adoré. We know how many believers had worshipped. Je sais par exemple que dimanche passé, c'était plus de 12 000 à Abidjan, dans les maisons. I know, par exemple, that last Sunday, it was more than 2,000 believers worshipping in the house churches. Je leur ai dit que mais nous mettons l'accent sur le type de conversion qui rassure que celui-ci va intégrer l'église. But we focus on the kind of conversion which show that this one is going to join the church. Donc, au lieu de perdre le temps, gagnons les âmes authentiquement et qu'elles viennent s'asseoir dans l'église. So instead of wasting our time, let us win souls genuinely and let them come and join the church. Et ils étaient contents. And they were happy. Je leur dis que pour nous c'est à la mort, on résout ça au sommet. Quand on te prêche l'évangile de Jésus. I told them that we sort it at the topic, at the summit. Tu when you are preach the gospel, you believe. Tu jeûnes. You fast. Tu te réconcilies avec Dieu. You reconcile with God. Et puis on te délivre. And you are delivered. Tu jeûnes pour ta délivrance. You fast for your deliverance. On te baptise. On peut baptiser avant ou bien après le brisement des liens. You can be baptized before or after the breaking of evil ties. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? En toute chose, c'est le résultat. Ce n'est pas la méthode qu'on vend. C'est le résultat qu'on présente. In everything, it is the result, not the method that matters. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Ta participation même à cette université. Your participation even to this university. Si tu viens seul la première fois. If you come alone the first time. On rend grâce à Dieu. We give thanks to God. Tu viens seul la deuxième fois. You come alone the second time. On commence à te regarder. We start watching you. Troisième fois, tu viens seul. Third time, you come alone. Quel est ton problème? What's your problem? Tu es stérile. Are you barren? Tu n'as pas de bébé. You don't have a baby. Un an. One year. Tu viens toujours seul. You always come alone. Tu n'es pas un bon étudiant. You are not a good student. Quand moi j'étais jeune converti. When I was a young converted. Si j'assiste à une fête. If I attend a feast. L'autre fête, je viens avec quelqu'un. L'autre fête, je serai avec quelqu'un. The other one to come, I will be with someone. Vous devez gagner des intercesseurs. You vous must devez win. Gagner les âmes pour l'intercession. You must win souls for intercession.
C'est un ministère, ce n'est pas un don, il n'y a pas le don d'intercéder. It's a ministry, it's not a gift. There is no gift for intercession. It's a ministry. On peut l'organiser administrativement. It can be organized. On peut aller à l'école pour we ça. We can go to school for comme that. Nous sommes là. As we are here. On peut l'apprendre, on we peut l'enseigner. Learn. It can be taught. Mais on enseigne pas le parler en langue. But we don't teach the speaking of other tongues. On parle en langue. We just speak in tongues. On enseigne pas la prophétie, on prophétise. On enseigne pas la prophétie, on prophétise. We don't teach prophecies, we just prophesy. On peut t'enseigner sur le ministère pastoral. On ne peut pas t'enseigner sur le don pastoral. You can be taught on pastoral ministry, but we cannot teach you the gift for pastorship. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu dois venir ici avec des étudiants. You must come here with your students. Que tu as gagné. That you have won. Qui paye les droits. And you pay the. Non, des étudiants qui savent qu'ils doivent payer les droits. Students who know that they must pay the fees. Qui veulent que l'institution marche. Who wants the institution to work and succeed? Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Allez prier. Go and pray. Merci Seigneur. Parce qu'à l'instant où tu nous parles de persévérance, nous avons des signes de fatigue. Et l'application est si simple. Allez-y prier. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Inscris dans nos cœurs cette nuit qu'il s'agit de crier, crier, crier. Frapper, frapper, frapper. Demander, demander, demander. Insister, insister, insister. Jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Ô Père, je prie et je te supplie, Seigneur, que j'aille et que chacun de nous aille pour insister parce que le Maître attend et il regarde. Ô Seigneur, ô Seigneur, je prie que tu ne nous laisses pas sortir d'ici lourds, fatigués, sans foi, Seigneur. Parce que tu attends ces cris. Oh Père, tu les auras, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, oh Père, il ne s'agit pas des heures investies. Il ne s'agit pas du temps passé au lieu de la prière. Tu veux les résultats, Seigneur. Ô éternel notre Dieu, fais-nous des intercesseurs qui évaluent leur intercession par des résultats obtenus. Seigneur, comme cet homme qui a frappé, frappé, insisté, frappé, jusqu'à ce que son ami se lève et lui donne du pain. Le but, c'était du pain. Père, tu nous dis de ne rien faire sans objectif clair, Seigneur. Qu'on entre dans la chambre de prière visant un résultat. Que mes prières visent un résultat. Seigneur, que je me réjouis pas des heures investies. Que je me réjouis pas des années passées à prier. Que j'évalue. Oh Seigneur, qu'est-ce que toutes ces prières ont produit? Seigneur, s'il te plaît, fais-nous des intercesseurs qui visent les résultats par leur intercession. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce.
Amen. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu me donnes de comprendre ce soir. Oh Seigneur, que ce qui importe, c'est le résultat. Oh Seigneur, ce n'est pas la méthode. Seigneur, nous devons frapper. Frapper, insister. Frapper jusqu'à obtenir le résultat. Seigneur, je vais de ce pas, Seigneur. Oh Père éternel, pour frapper jusqu'à ce que le résultat, oh Seigneur éternel, soit réel, Seigneur. Je prie que tu me donnes la capacité d'insister, de persévérer, d'insister, de persévérer, même quand les circonstances sont contraires. Oh Seigneur, jusqu'à obtenir un résultat palpable. Oh, fais-le pour moi et fais-le pour mes soeurs, mes frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Te disons merci. Parce que nous sommes des intercesseurs. Tu nous rappelles, oh Seigneur, la persévérance. Tu nous rappelles les résultats que tu nous donnes. Oh Dieu, ces instructions. Je plaide moi-même et je reviens, Seigneur. Oh Dieu, j'avais pris l'habitude de ne pas prier assez et d'arrêter en chemin. Seigneur, ce jour, j'accepte et je reviens à la persévérance. Et je plaide, Seigneur, que cela soit imprimé dans mon cœur. Et je prie, Seigneur, que tu me rendes capable de prier, de frapper, d'insister, Seigneur. Oh Dieu, d'importuner, jusqu'au résultat. Je plaide que cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus enseigne que même pour être rempli du Saint-Esprit, Jesus teaches that even to be filled with the Holy Spirit, il a mis ça comme la conclusion à l'enseignement sur l'importunité. He has put it as the conclusion to the teaching on the fact of bothering. Ça veut dire que on peut demander au Saint-Esprit de descendre. It means that we can ask the Holy Spirit to come down. Il ne descend pas. And he does not. On insiste. We insist. Il ne descend pas. He does not. On insiste. We insist. Il ne descend pas. He does not. On insiste. We insist. Il ne descend pas. He does not. Et peut-être à la dixième heure. Maybe at the 10th hour. Bam! Il descend. He does it. C'est une erreur d'exclure l'intercession au processus de remplissage. It's an error to exclude intercession into the process of being filled. Et nous pouvons constater les déceptions. We can notice deception. On dit, c'est par la foi. Oui, c'est par la foi. It said it's by faith. Yes. Saint-Esprit, descends sur nous, Holy Spirit, alléluia, come on alléluia, us. Tu es descendu, hallelujah. Tu es descendu. Thank you. Est-ce qu'il est descendu? Come down. Has he really come down? Normalement. Normally. On doit entrer en prière. We must start praying. Que l'Esprit descende. That the Holy Spirit comes down. La prière peut durer 3 heures, 4 heures, on est toujours en train de prier. The prayer can last 3 or 4 hours and we are still praying. On est toujours en train de prier. We are still praying. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Till the heaven open, the sky open. Qu'il soit évident. And it's evident. Que l'Esprit même est là. That the Spirit has come. Tu ne peux pas demander le Saint-Esprit. You cannot ask the Holy Spirit. Et tu reçois une petite chaleur sur ton bras, tu dis que c'est ça le Saint-Esprit. And you receive a small heat on your arm and you say this is the Holy Spirit. Tu demandes le pain, Dieu te donne le pain. Tu demandes le poisson, Dieu te donne le poisson. You ask the bread, God gives the bread to you. You ask the fish, God gives the fish to you. Les choses vont changer. Things will change. Prochainement. Next time. Quand on dit, nous allons demander le Saint-Esprit. When we will say, we will ask the Holy Spirit. Perdons-nous dans la prière. Let us lose ourselves into the prayer. Les apôtres ont fait 10. The apostles
spent 10 days. Et à un moment, and at a moment, il est descendu. It came down. C'était visible. It was visible. Quand on fait rapidement 10 minutes, ça, les premières personnes qui sont prêtes se réjouissent. When we do it quickly, 10 minutes, the first people who are filled are rejoicing. Ça peut être 10 personnes sur 500. It can be only 10 persons out of 500,000. Les autres les regardent. 500 and the others are watching them. Les choses vont changer. Things will change. On importune le Père. We bother the Father. Tu sais toi-même que tu n'as pas encore reçu la plénitude, mais tu es là, tu regardes les autres. You know yourself that you have not received the fullness and you are there watching others. On dit prier, prier, tu es là. Tu mais c'est prêt, you are there. Quand quelqu'un parle en langue, tu regardes. When someone speaks in tongues, you watch him. Certains démons décident de s'en aller. Tu regardes. Some demons decide to give up, to leave. You watch. Et on dit Alléluia. When we say Alléluia, tu rentres tel que tu es venu. You go home as you came. Prochainement, c'est la personne qui coordonne qui dit Amen. Amen. Next time, is the person on duty who will say Amen. Toi, tu veux rentrer avec le don de prophétie. You want to go back with a gift for prophecy. Tu ne prophétises pas, ta part n'est pas encore. Laisse les autres, ils sont contents. Toi, tu continues. If you are not prophesying, it means that you have not received your share. So you keep on praying and you leave others. Que tu l'as reçu. You will know that you have received it. Il y aura un phénomène qui va mélanger ta langue et tes lèvres. Donc c'est comme ça que ça vient. There will have a phenomenon which will mix your tongue and you will see, oh, this is how it's happening. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Vous voyez là où Jésus place l'enseignement, reprend. Vous voyez là où il a placé l'enseignement sur le Saint-Esprit. See how Jesus has put the teaching on the fact of being of on the Holy Spirit. Luc chapitre 11 à partir du verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi. Et moi. And me. Je vous dis. Je vous dis. I tell you. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Ask and they will give to you. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Seek and you will find. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Knock and you will be opened. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit. For the one who asks receives. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. The one who seeks finds. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. And they open to the one who knocks. At. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Vous voyez le lien, c'est la you même doctrine. Qui part des besoins au Saint-Esprit, le grand besoin de chacun. It's the same thing, speaking about the needs of each one. Continue. S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes,
Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? How much? Le Père céleste. Le Père céleste. The Heavenly Father. Donnera-t-il le Saint-Esprit? Donnera-t-il le Saint-Esprit? Will give the Holy Spirit. À ceux qui le lui demandent. À ceux qui le lui demandent. To those who ask him. Le Saint-Esprit, il est là. Il y a des gens qui frappent, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui demandent. The Holy le Saint-Esprit is there. Veut qu'on demande. He wants people to ask. Ce n'est pas parce que tu cherches avec une torche. Ne cherche pas, tu t'assois. Tu dis, don't Saint-Esprit, ask. Père, remplis-moi. Don't seek with a lamp. Père, remplis-moi. Just ask. Say, Père, Father, si tu fais tant, remplis-moi. Tu dis, ah, merci Seigneur. Je reçois par la foi. Tant pis pour toi. Tu dois importuner ton Père pour être rempli du Saint-Esprit. You must bother your Father to be filled with the Holy Spirit. C'est pas normal. It's not normal. Qu'après un certain nombre d'années dans la foi, tu n'as jamais expérimenté ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. It is not normal that after a certain times in faith, you have never experienced what is called the fullness of the Holy Spirit. Je vous dis une chose, je ne réfléchissais pas comme ça avant. I did not think like this in the past. C'est maintenant que Dieu me révèle maintenant. These are things God are revealing to me now. Vous allez constater que après des moments comme la Pentecôte. You will notice that after a moment like Pentecost. Beaucoup de frères cherchaient des consolations. J'étais content. C'est comme ça que ça fait. Many J'ai senti la joie en moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas évident. For encouragement, I was happy. Is that the way it works? Quand c'est évident, on ne cherche pas. That because it was not obvious. Because when it's obvious, you don't seek. Je sentais les larmes couler. Est-ce que c'est comme ça? I could feel my tears drop. Is that so? Si c'est obtenu, if it's obtained, comme le fruit d'une demande soutenue, as the fruit of a hard demand, tu sais que tu as reçu. You know that you have received. On ne te console pas. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça you fait. You are not pour certains, to be encouraged. Tu as reçu. Oui, tu as reçu aussi. Okay. Mais you tu n'es pas well. Tu n'es pas heureux. But you are not happy. On t'a consolé, mais tu sens le vide. You have been encouraged, but you feel. On donne à celui qui demande. It's given to the on one. On donne à celui qui demande. It's given to the one who asks. On demande jusqu'à ce qu'on l'obtienne. You ask until you receive. 40 jours. 40 days. Du premier jour, dernier jour, et tu es comme ça, tu cherches les preuves humaines. And you are looking for human proofs. Tu as raté. You have failed. Ce n'était pas dans ton cœur. It was not in your heart. Dieu a demandé à Salomon. God asked Solomon. Tu veux que je te donne quoi? What do you want me to give you? Il a dit donne-moi la sagesse. He said give me wisdom. Dieu lui a dit c'est vrai. God told him. C'est dans ton cœur, c'est vrai. It's true, it's in your heart. Toi tu as besoin d'argent. You need money. Mais tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. But you are asking the fullness of the Holy Quand Spirit. Quand tu regardes ton âme, ton cœur comme ça, de l'argent. God, when God looks in your soul, he sees money. Quand il dit demande. When he says ask. Tu dis donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. You say give me the fullness of the Holy Spirit. Il te dit c'est faux, c'est faux. He says it's wrong. You are lying. Tu ne pensais pas à ça. You are lying. It's not what you are thinking about. Tu ne pensais pas à ça. You are not thinking about that. Frère, je vous dis la vérité. Brother, I'm telling you the truth. Le futur est glorieux. The future is glorious. Si nous connaissons les desseins de notre Père. If we know the purposes of our Father. Demande. Ask. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit dans la chambre, dans ma chambre. I was baptized in the Holy Spirit in my bedroom. Ce que j'ai dit là, je n'avais pas ça comme message. What I'm telling you is not a prepared message. C'est Dieu en train de me rebâtir. God is rebuilding me up. Je me mettais à genoux le matin.
I used to kneel down in the morning till the night, demandant la plénitude, asking le baptême du Saint-Esprit. The baptism in the Holy Spirit. Je ne savais pas que c'était bien. J'étais jeune converti. I didn't know that it was good. I was a new converted. L'assemblée était petite. The church was small. Les mercredis, il n'y avait pas cours. But when I say I did not go to school. Je demande. I locked the door and I asked. Un jour. Ask, one day. Bam. J'arrête, ça vient. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Je veux prier, ça vient. J'ai dit bon, non, c'est fini. Je ne veux plus parler. Dès que j'ouvre la bouche, ça vient. Je dis, ça s'est installé. One day it's happened. I want to stop, but I cannot. And it was settled in Dans me. Dans la chambre. In my bedroom. C'est maintenant que je comprends. C'était des jours de supplication. It was days of supplication, pleading. Un jour. And a day. Il est descendu. He came down. Je comprends que je n'avais pas dit Seigneur baptise-moi, amen, et je suis sorti. Non, c'était des jours. I understand. Du matin jusqu'au soir. I understand that I had not said, Lord, visit, baptize me, and it came. It was days of intercession. Dieu donne. God gives. À celui qui demande. To the one who asks. Maintenant, si on organise le baptême, now, if we organize the baptism, je ne veux pas répondre aux gens qui cherchent les consolations après que, est-ce que moi aussi j'ai reçu? Je vais te dire comment ça j'ai fait. Je baillais. C'est comme ça que ça fait. Je ne veux pas répondre. I will not encourage people who look for encouragement. If someone can ask me, I was yawning, is that how it's work? Mais avant I want ça, to reply to you. Je vais enseigner que il faut demander. Before it, I will teach that. Jusqu'à ce qu'il soit évident à toi-même que tu l'as reçu. You must ask till it become obvious for you that you are received it. Si tu restes là. If you remain there. Tu dis, demander, tu dis, Seigneur. I say, ask. Lord. Après, tu regardes les autres. And later you watch around you. Après, on dit, amen. And they say, amen. Tu n'as pas compris. You have not tu dois te perdre en prière. You must lose yourself in your prayer. Les gens qui ont des visions pendant qu'on prie là, ils se perdent dans la prière. People who have vision while we are praying, concentrated, si regardez les gens, deep in the prayers. Ils n'allaient pas avoir de vision. If they were watching at people, they would not have visions. Quand même si ce n'est pas pour le baptême dans le Saint-Esprit. Even if it's not a time for baptism in the Holy Spirit. Si on dit prions. If they say let's pray. C'est le dirigeant qui doit dire amen. It's the leader who must say amen. Si tu trouves une assemblée. If you find a church. Quand on dit prions. When people are said pray. Jésus, alléluia, merci Seigneur, alléluia, amen. Et puis ils attendent le deuxième sujet. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. If you see people saying in the name of Jesus, amen, and they are waiting for the second topic, they are not filled with the Holy Spirit. Prions que le Seigneur nous bénisse. Let's pray that God bless us. Seigneur bénis nous au nom de Jésus. Amen. Lord bless us in the name of Jesus, amen. On attend l'autre sujet. And we are waiting for the other topic. Tu dois prier. You must pray. Tu laisses l'Esprit te conduire dans you les domaines de bénédiction. In the feast for blessing. Tu es perdu. Tu es perdu. You are lost. Tu pries en langue, tu you pries en français ou en anglais, en anglais, en French, en etc. Every kind of things. Et quand le dirigeant dit amen, amen, and amen, when c'est the lui says, qui doit dire c'est bon, c'est amen, bon. Amen, amen, it's okay, it's okay. Et tu reviens. You just come back. Tu t'es déchargé. You have unloaded yourself. C'est pour ça que je dis que si vous êtes fatigué, on élimine ça, on peut mettre un exercice. Si à un moment où vous ne pouvez pas bien vous concentrer pour écouter, vous mettez un exercice, vous mettez la parole là où vous êtes fort. It's why I'm saying if you are sleeping, we'll put the program, we'll change the program and look for time you are strong. Tu dois te déverser.
You must flow yourself. Même quand tu es seul, even when you are alone, tu te couches à même le sol. You lay on the ground. Dieu va te parler. God will speak to you. Quand le frère Zach est mort, one brother Zach died. Je n'avais aucune parole. I had no words. Je me suis couché à même le sol. I lay on the floor. Et c'est là où Dieu m'a parlé. It's where God spoke to me. Ça m'a fortifié. And he strengthened me. Et ce qu'il m'a dit s'accomplit. And what he told me has come to life. Une réunion de prière dans l'assemblée. A meeting of prayer in the church doit être fervente. Should be fervent. C'est le dirigeant qui doit dire amen. It's the leader who must say amen. Les apôtres priaient, la terre tremblait. Apostles c'était prayed. C'était pas des petites prières. Allez, vous bien regarder. And the earth was shaking. It was not small prayers. Jésus priait, la sueur ruisselait de son visage. Ça tombait comme le rumeur du sang. When Jesus was praying, the sweat was coming, flowing on his head front head. And it was like blood. Ne rétrogradons pas. Let us not backslide. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ne rétrogradons pas. Let us not backslide. C'est le dirigeant. He's the leader. Qui pèse. Who weighs. Qui peut arrêter. If he can stop. Ou relancer. Or relaunch. C'est pour cette raison que les réunions de prière ne sont pas coordonnées. This is why the meeting of prayers are not coordinated. Elles commencent par le dirigeant lui-même et finissent par le dirigeant lui-même. They start by the leader himself and stop by the leader himself. S'il y a un réel empêchement, if there is a true impediment, il désire quelqu'un en attendant son arrivée. He can choose someone while waiting. S'il ne sera pas là du tout, if he won't be there at all, parce que c'est impossible humainement, because it can be humanly possible, il confie à son adjoint. He entrusts his assistant. Et il lui donne lui-même quelques sujets qu'il doit élever avec le peuple. And he gave himself some topics that he have to raise with the people. Et le reste, il lui permet de se laisser conduire par le Saint-Esprit. And he let the rest to be led by the Holy Spirit. Si tu ne parles pas en langue, those who don't speak in tongues, va, tu te mets à genoux. Go and kneel down. Tu demandes. You ask. Tu auras un témoignage pour demain. And you give the testimony tomorrow. Tu pourras même entrer ici en parlant en langue. You may even come here speaking new tongues. Tu vas arrêter, ça ne s'arrête pas. You want to stop and it does not. Tu ne pourras plus demander à quelqu'un que est-ce que c'est comme ça que ça fait. You will not be able to ask someone else anymore that. Tu auras la is conviction. That the way it's work? You will have a conviction que tu as été visité. That you have been visited. Dis amen. Say amen. Quand vous vous êtes réveillés, on sera ensemble demain. As you are awakened, we'll be together tomorrow. Jésus-Christ. Jesus Christ.